Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo routine du soir. Je vous montre un petit peu qu'est-ce que je fais quand je rentre chez moi. Voilà, donc ce sont des choses que je fais quotidiennement. J'espère que cette vidéo-là vous plaira. Surtout, n'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour mon chapeau, il vient de chez H&M. Cela fait quand même un bon petit moment que je l'ai. Il est super beau, j'aime beaucoup le porter. Je trouve que ça change vraiment dans une tenue. Et toujours quand j'arrive à la maison, je me lave toujours les mains. Pour moi, c'est super important. J'aime bien avoir les mains propres chez moi. Même si dehors, je touche pas trop des choses, mais j'aime beaucoup me laver les mains. Enfin, je sais pas, c'est une sensation vraiment pour moi de propreté. Et voilà, je me lave tout le temps les mains quand je rentre à la maison. Et par la suite, j'enlève mes boucles d'oreilles. Elles viennent de chez Zara. Elles sont super belles. Elles sont un petit peu lourdes, mais ça va. Elles sont bien quand même. Et ensuite, je vais enlever ma montre Michael Kors. Pour celles qui me suivent, vous savez très bien que j'aime trop ma montre Michael Kors. Je porte toujours ma montre Michael Kors. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, je vais enlever mon manteau. Mon manteau qui vient de chez Zara. Je vous ai déjà fait une vidéo sur mes manteaux favoris. Je vous mettrai donc le lien en barre d'infos. Et là, on passe tout de suite à la salle de bain. Je vais commencer par me démaquiller. Les filles, c'est super important de vous démaquiller. Ne dormez jamais avec votre maquillage. Ne faites jamais ça, les girls. Jamais, jamais, jamais. Pour mon démaquillage, je commence toujours avec ma lotion micellaire de chez Garnier. Je l'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup me démaquiller avec cette lotion-là dans un premier temps. Ensuite, je viens prendre mon huile nettoyante ultra légère, pardon, de chez Neutrogena. Elle est superbe. Ça démaquille super bien et ça donne vraiment un rendu très soft, non irrité. J'aime trop. Et de là, je viens prendre mon gel nettoyant moussant de chez L'Oréal. Fleur de coton, j'aime beaucoup. Il est sans parfum, sans parabène, convient à tout type de peau. Il tiraille pas du tout la peau. Je l'aime beaucoup ce savon. Quand j'ai terminé, je viens appliquer mon sérum de chez The Ordinary. Et pour mes yeux, je viens prendre ma crème pour les yeux de chez Origins. Bon, comme vous le savez, moi j'ai des poches, hein, voilà, et j'aime beaucoup hydrater cette partie-là, puisque avec le maquillage, l'anti-cerne, etc., c'est super important d'hydrater son contour des yeux. Comme j'ai pas de crème de nuit, et eh bien là, je viens prendre ma crème Ambriolisse, hein, pour moi qui ai un 2 en 1, nuit et jour. Après la douche, je me fais toujours un bon thé chaud. Je sais pas pour vous, mais moi, avant de dormir, faut toujours que je bois mon thé, sinon je peux pas dormir. Et avant de me coucher, j'aime bien mettre de la crème sur les mains, sur les pieds.
Et pour celles qui me connaissent, vous savez très bien que moi, je ne peux pas dormir sans avoir mis ma brume. Je ne peux pas, il faut toujours que je mette une brume avant de dormir. Alors ça, c'est ma partie préférée du moment. Je suis dans mon lit avec mon thé chaud. Je suis sur ma tablette. J'écoute de la musique. Je surfe sur Internet. Je regarde des vidéos sur YouTube. Je me regarde un petit film sur Netflix. Ça, c'est les moments détente que j'adore. Et eh bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner. Je vous souhaite une très bonne nuit. Bisous, à bientôt!